Comment t'es venue cette idée d'ouvrir ce salon ici, salon de coiffure? Bon, l'idée m'est venue depuis l'école. Je coiffais mes amis pendant la récréation et puis j'ai dit pourquoi ne pas être une coiffeuse. Mais c'était pas plus facile de le faire à Gorom, à Dori ou à Ouaga? Oui, c'est plus facile de le faire là-bas, mais moi je préfère Marcoy. Au moins pour le développement, pour voir mon village se développer. Là, je préfère contribuer. C'est difficile d'être une jeune femme moderne dans ce village comme Marcoy, où la tradition et la culture, c'est tout ce que les gens ont dans la tête. T'as des reproches des fois, non? Oui, j'ai des reproches. Il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui me disent ça en face. Mais moi, ça me dit rien, peu importe. Bon. Dans un village comme Marcoy, pour une femme, c'est vraiment difficile. Très difficile. Il faut être une qui sait se battre, qui sait ce qu'elle cherche, qui sait au moins qu'elle a un avenir devant elle. Elle doit se battre. Et non pas rester les bras croisés. On risque de rester dans la boue. Ici, pour moi, je dirais la femme, c'est comme une domestique ici, puisque on ne connaît pas la valeur d'une femme ici à Marcoy. La femme, elle se lève matin très tôt, elle va chercher de l'eau, elle va piler, elle va donner à manger aux enfants. Le soir, les condiments, elle serait obligée elle-même de payer les condiments pour nourrir au moins ses enfants. Donc, selon moi, je crois qu'ici, on ne connaît pas l'importance même d'une femme. On croit que non, quand tu maries une femme, elle est dans la cour, c'est elle qui doit s'occuper de tout. Elle doit faire seulement des enfants et puis s'en occuper. Mais c'est le contraire. La femme aussi a ses droits. Pourquoi ne pas la laisser, elle aussi, libre?
Elle fait tout ce qu'elle veut. Mais ici, ce n'est pas le cas. Les femmes sont traumatisées. Ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de femmes qui sont là, à Marco ici, qui sont mariées, mais leurs maris sont partis 5 ans à la recherche. Mais ça, ce n'est pas un mariage. 5 ans, l'homme, il est parti à la recherche. Il ne gagne pas, il ne revient pas. Il ne te divorce pas, tu es là dans sa famille. Tu ne peux rien faire. Tu n'as même pas le droit de parler avec un autre homme. Il y a des femmes qui disent non à ce qu'on les maltraite. Il y a des femmes qui quittent leur foyer. Mais moi, les gens se disent que c'est pas normal, mais je vois rien d'anormal dans ça. Moi, je crois que ces femmes, elles ont compris et elles doivent se révolter. Elles sont pas mariées pour souffrir. Le foyer n'est pas c'est pas la souffrance. C'est ces mecs qui a mené ça. Sinon, elles ne doivent pas souffrir. Donc, il y a des femmes qui se révoltent. Et puis, bon, elles vont comprendre. Et les hommes aussi, grâce aux sensibilisations, ça va. Je crois que ça va aller. Avec la modernisation, les jeunes veulent se développer et être comme la ville. Mais ces vieux et ces vieillards qui sont là, ils ne connaissent pas ça. Donc ça va être vraiment compliqué. Le poids de la religion, c'est vraiment difficile. Difficile pour nous, étant jeunes comme ça, avec la religion, c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? On suit la modernisation et on veut suivre la religion. On ne va jamais nous accorder ça. Bon, moi, dans mon cas, moi je ne vois pas. Dans ma famille, ce n'est pas compliqué ni difficile. Parce que moi, je suis d'une famille musulmane. Mais mes sœurs et moi, on est libre de pratiquer la religion qu'on veut. J'ai mes sœurs qui sont catholiques. Il y a d'autres qui partent à l'église. Il y a d'autres qui pratiquent la religion musulmane. Donc moi, dans ma famille, je n'ai pas connu ça. C'est dehors que je vois la religion comme ça. Et à Marco, il y a d'autres jeunes femmes qui pensent comme toi? Bon, il y a quelques-unes qui pensent comme moi, mais elles sont coincées. Elles sont coincées. Si elles étaient un peu libres comme moi, ça allait être la merde. Il y aura des gens qui... Il y en a, mais elles sont coincées. Elles savent ce qu'il faut pour le meilleur. Mais elles n'osent pas dire. Elles n'osent pas dire dans leur famille. C'est ça. C'est pour ça que je dis la religion coince ces jeunes filles-là. Souvent, on cause ensemble et disent vraiment, toi, tu as eu la sens. J'ai dit, ce n'est pas question de sens. J'ai été un peu rebelle, c'est tout. Vous aussi, vous pouvez le faire pour amener vos familles en avance. Et vous-même. Et vos sœurs qui sont en arrière. Oui.
Toi, tu es né dans une famille, on va dire assez moderne, assez évoluée. Un peu, oui, un peu évoluée. Un peu évoluée, même si l'enfance était un peu dure. Mais je vois ça, pour comparer avec d'autres familles, je trouve que c'est un peu moderne. Qu'est-ce qui t'a semblé dur pendant ton enfance? Bon, avec l'enfance. Puisque quand tu es enfant, tu es élevé au milieu de trois mères, c'est pas facile. Nous, étant des filles, on nous donnait pas l'importance. On dit vous êtes des femmes, demain, vous allez vous soumettre à des hommes. Donc, la jeune fille, c'est pas facile. À mon enfance, ça n'a pas été facile. Mais quand j'ai grandi, quand je suis partie à l'école, j'ai vu que non, que je pouvais vivre en dehors de ce qu'on me disait à la maison, ce que l'entourage me disait. Donc j'ai appris à évoluer à l'école. Tu as appris à te rebeller? Ouais, à être une rebelle. Hassan, tu as 150 ans. Il y a Yves, Chion et puis Jeanne. Voilà, il y a un peu de ça. Il y a un million de dollars. Il y a un million de dollars. Il y a un million de dollars. Il y a un Le salon, souvent j'ai pas de travail à faire. Il y a des jeunes filles qui viennent causer avec moi. Il y a d'autres qui viennent. C'est pour m'expliquer leurs problèmes. D'autres, ce sont des femmes mariées. Pas seulement elles viennent se coiffer, mais elles viennent pour pouvoir expliquer, parler à quelqu'un au moins de leurs problèmes pour se soulager. J'ai vu plusieurs cas ici. Elles viennent pour me voir, c'est pour parler de leurs problèmes. Ce qui ne va pas, ce qui va, étant jeune fille ou étant femme mariée. Alors, c'est un salon de coiffure, mais j'aide aussi des femmes qui sont en difficulté dans leur foyer ou dans les familles. Comme ça, elles ne sont pas mariées, mais elles ont des difficultés. C'est pour ça, souvent, j'ai dit aux jeunes, j'ai dit, moi dans ma maison j'ai des caméras. Tout ce qui se passe à Margot là, je filme. Et puis j'ai dit vous ne connaissez pas. C'est pas du coiffure, hein, mais c'est la petite maison aux grandes idées. Bien, mon autre.
si un jour tu as une. Tu as une fille, si tu as un bébé que c'est une fille, qu'est-ce que tu aimerais pour elle? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Moi, je souhaiterais tout le bonheur du monde pour elle. Moi, je la laisserais faire son choix. Sa vie, la vie qu'elle rêve toujours. Oui, c'est comme ça que je vais élever ma fille. La laisser libre. Pas libre comme ça, mais je ne vais pas la traumatiser. Pas ce que moi j'ai vécu. Est-ce que le papa sera d'accord? Si, pourquoi il ne serait pas d'accord? Il serait d'accord. S'il ne serait pas d'accord, là, l'enfant va croire que non, je l'aime plus que son papa. Et puis là, ça va causer des petits problèmes. Bon, on va essayer de l'éduquer de ma manière et puis de la manière de son papa. En tout cas, pour le meilleur de la fille.